Président Alassane Ouattara, merci de cet entretien. Merci, et je vous souhaite, Jean-Pierre Elkabbach. Je vous souhaite le bonjour. Merci. Aujourd'hui, vous êtes à Paris pour participer oui. au sommet sur le climat. Vous vous intéressez beaucoup au climat depuis longtemps. Oui. De quelle manière la Côte d'Ivoire oui. ressent-elle le dérèglement du climat? Ah oui, c'est au quotidien. Nous devons avoir normalement peu de pluie ces temps-ci, mais encore hier soir, il a plu. Et donc, il y a l'érosion maritime, il y a des inondations, malheureusement des éboulements. C'est terrible pour nous, les pays qui donc avons l'ambition de nous développer rapidement. Et les forêts sont touchées aussi. Ah, les forêts, oui, les forêts sont touchées, les villes. C'est vraiment une catastrophe pour les pays en développement et notamment pour les pays africains. Pourquoi les pays africains? Mais parce que nous sommes les plus faibles et les plus fragiles. Je considère que nous contribuons très peu à la pollution, mais malheureusement, le dérèglement, les augmentations de température, nous payons le prix, la pollution des autres. Oui, voilà. Mais chacun a sa part de responsabilité, oui, c'est oui, évident. Il y a l'Occident, oui, les États-Unis, oui. la Chine, oui, l'Inde, les grands la Côte d'Ivoire et l'Afrique aussi. Oh, la Côte d'Ivoire, c'est très bas quand même, parce que les gaz à effet de serre, nous savons qui les émet. C'est quand même pas l'Afrique. Ouais. C'est 2-3% de l'émission mondiale. Et ouais. nous, nous considérons que nous sommes victimes et nous demandons aux grands de prendre leurs responsabilités, de penser à l'humanité, de penser aux autres. Ah oui. Il faut arrêter cet égoïsme. Est-ce que vous pensez qu'ils sont indifférents? C'est pas qu'ils sont indifférents. Ingrats. Non, non, c'est pas qu'ils sont ingrats, ingrats, mais je trouve que c'est inéquitable. Et ce sommet sera l'occasion de faire le point. Et nous, nous avons rempli tous nos engagements. Nous avons signé l'accord, nous l'avons déposé aux Nations Unies. Nous avons donc mis tous les instruments, toutes les structures en place. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est le financement. Le financement pour que les énergies renouvelables prennent le relais. Et nous sommes en train de commencer à le faire. Ben, nous avons besoin de financement. Donc nous allons insister sur la question du financement oui. à l'occasion ça, de ce aujourd'hui. Sommet. Aujourd'hui. Et vous intervenez souvent. J'ai vu que vous étiez intervenu à la COP21. Vous étiez venu aux Nations Unies chaque c'est fois ça. Que vous le pouvez. Oui. Je sais bien que le président américain Donald Trump n'écoute oui. personne. Oui. Mais est-ce qu'il faut lui demander de respecter l'accord de oui, Paris oui. ou d'encourager ceux qui, dans son pays, oui. Veulent lutter contre la pollution écoutez, et le dérèglement. Moi, je félicite le président Macron. Dès la décision du président Trump, il a énoncé la position de la France, qui est la position de tous les pays comme les nôtres. Nous sommes victimes et nous considérons que les grands, les États-Unis, la Chine, l'Inde, etc., doivent contribuer à faire baisser donc la température et ne pas l'augmenter au-delà des 2 degrés. C'est l'engagement qu'ils ont pris, c'est les gouvernements démocratiques. Mmh. Ce qui est fait par un gouvernement doit être appliqué pour les autres. On nous dit, nous, de le faire, mais pourquoi pas les autres oui. donc, c'est ce que vous allez dire aujourd'hui et demain. Non, je le dirai, je l'ai dit déjà, je mais le dirai vous allez à nouveau. L'affirmer. Je vais l'affirmer. C'est bien devant les 100 pays oui, et oui. il y a 800... acteurs qui ne sont pas des États qui sont là, il y a des grandes vedettes. Mais regardez surtout les pays insulaires, ces oui. pays, ils vont disparaître oui. de la carte si ça continue. Mmh. Il faut tout de même penser à l'humanité. Alors, l'Afrique, on pense oui. à l'humanité. L'Afrique oui. fait face généralement à deux fléaux, Alassane oui. Ouattara, oui. qui ont souvent les mêmes sources. Mmh. L'obscurantisme, oui. la pauvreté, la surnatalité. Oui. Et c'est le terrorisme qui est en train mmh. d'en profiter. Oui. Est-ce que vous ressentez cette menace terroriste vous-même pour votre pays? D'abord, je dois dire, toutes ces questions sont liées. Bien sûr. C'est le manque d'éducation, l'obscurantisme, le problème de la pauvreté, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, ensuite l'insécurité, le terrorisme. Alors, il faut combattre ces différents secteurs et faire en sorte que ces pays sortent de la pauvreté. C'est pour cela le dernier sommet, le sommet Union africaine, Union européenne à Abidjan, les 29 et 30 novembre, nous avons mis l'accent. Le thème, c'était investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Ça veut tout dire. Oui, oui. Si nous arrivons à investir dans la jeunesse pour que cette jeunesse soit éduquée, soit formée, ait des emplois, d'abord, évidemment, la pauvreté va baisser. Et deuxièmement, ben, il y aura moins de migration vers l'Europe, et ainsi de suite. Tout on va ça y venir. Est lié, mais est-ce qu'il est vrai que oui. le continent africain est en ce moment victime d'un progrès de l'islamisation et de l'islam oui, radical. Mais je crois que c'est difficile de globaliser. Vous savez, l'Afrique a quand même plus de 50 pays, et à partir de là, chaque pays a sa particularité.
Il y a des pays qui sont plus donc islamisés que d'autres, mais il y a des pays où il y a plus de chrétiens. Mais vous ressentez-vous la menace ? Nous, la Côte d'Ivoire est un pays toujours qui a été un pays d'islam modéré. Bien sûr, nous avons des voisins tels que le Mali qui ont des difficultés et qui ont fait l'objet d'attaques terroristes et nous en ressentons les effets. Mais la Côte d'Ivoire continue d'être un pays d'islam modéré, de cohabitation des populations, d'intégration. Je vais vous dire quelque chose que les gens oublient. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays en Afrique où nous avons le quart de la population est d'origine non ivoirienne. Sur les 24 millions d'Ivoiriens, 6 millions viennent des pays voisins. Mais c'est donc un pays qui absorbe les populations des autres pays. Mais ces populations contribuent au développement de la Côte d'Ivoire et les choses se passent bien. À Ouagadougou, oui. Le président Macron a dit qu'il faut faire barrage à l'extrémisme religieux. Il a totalement raison et je partage cet avis. Il faut le faire et c'est notre responsabilité en tant que chef d'État africain, en tant qu'Africain, de le faire par l'éducation de nos jeunes, surtout de nos jeunes filles. Depuis tout à l'heure, on va y venir. Depuis tout à l'heure, vous dites l'éducation, la formation. Oui. Est-ce que vous avez augmenté les crédits militaires défense ? Mais surtout, nous avons augmenté les crédits sociaux. Nous avons augmenté les crédits en faveur de l'éducation et de la santé plus que les crédits militaires. Parce qu'en réalité, c'est ça la jeunesse. Une bonne santé, éduquée, formée. Ceci étant, depuis l'attentat de Grand Bassam en mars 2016, nous avons été obligés, bien sûr, d'investir de manière importante, mais d'un seul coup, sur les questions donc, de sécurité, de défense, de renseignement. Et je continue de considérer que la Côte d'Ivoire a fait le bon choix. J'ai dit, il y a deux fléaux. Le deuxième fléau qui frappe la jeunesse, c'est précisément la migration. C'est ça. Et lors de sa visite, le président Macron a insisté sur des interventions militaires pour faire en sorte qu'on arrête ce qui est en train de se passer, qui est scandaleux en Libye, où des migrants sont traités comme des esclaves. Oui. Est-ce que vous allez participer même à des actions militaires? Comment? Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce qu'il faut aller au-delà des mots et des protestations verbales. Vous savez, tout ça, j'ai dit, tout dépend des pays. Ceci se fait déjà en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, par les renseignements, nous traquons tous ces passeurs, nous les arrêtons, nous les jugeons et nous déployons. Surtout des Africains? Oui, en général, des Africains globalement, disons que ce soit du nord, du sud, etc. Mais ce sont donc des ressortissants en général qui viennent d'autres pays et qui viennent installer des filières pour prendre non seulement des Ivoiriens, mais également des jeunes qui viennent des pays voisins. Parce que la Côte d'Ivoire permet d'avoir donc un certain revenu, parce que le coût de la vie et le niveau de vie est plus élevé. Donc ils ont plus de moyens de trouver des ressources et d'aller ensuite au Niger, en Libye. Et malheureusement, aller se noyer dans la Vous avez demandé à tous les ressortissants ivoiriens qui sont en Libye de rentrer chez eux. Ah, tout à fait. Nous avons déjà fait rentrer plus de 700 ou 800. D'ici la fin de l'année, on aura plus de 1000 qui seront rentrés. Et nous demandons à tous ceux qui veulent rentrer, nous organisons leur retour. Nous l'avons fait pas seulement en Libye. Nous l'avons fait dans d'autres pays africains. Nous l'avons fait de l'Arabie Saoudite, du Koweït. Chaque fois que des Ivoiriens sont maltraités ou sont en danger, nous payons leur retour en Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas dit. C'est les retours volontaires. S'il y a des actions militaires, vous êtes d'accord pour y participer? Non, des actions militaires en Côte d'Ivoire. Moi, je n'irai pas dans des actions militaires dans d'autres pays. Non, mais pour aller sortir ceux qui sont aujourd'hui des esclaves. Non, c'est le travail des Nations Unies. Ils doivent travailler avec les autorités libyennes. Il y a des enquêtes en cours. Ceux qui ont commis ces crimes doivent passer devant la Cour pénale internationale. Il faut des mesures fortes. Mais qui va saisir la Cour pénale internationale? La Commission, l'Union africaine peut saisir la Cour. Eh bien, qu'est-ce qu'elle attend pour le faire? Mais elle va le faire. Mais écoutez, chaque institution a son rythme. Mais l'Union européenne devrait le faire aussi. Je vois des ONG qui protègent ces gens. Je veux leur rendre hommage. Mais l'Union européenne devrait saisir également la Cour pénale internationale. Parce que c'est extraordinaire, président Ouattara, qu'au 21e siècle, des passeurs et des trafiquants africains traitent d'esclaves et ouvrent des marchés aux esclaves. C'est choquant, je trouve. Je n'ai pas de mots pour qualifier cela. C'est inqualifiable. Vous dites des crimes? C'est des crimes. Moi, je trouve que c'est des crimes contre l'humanité et ça doit faire l'objet de jugement devant la Cour pénale internationale. Mais j'espère que la modification du système judiciaire permettra de faire même des condamnations à perpétuité. C'est abominable ce que ces gens font. Il faut
punir, frapper fort les négriers du 21e siècle. Bien sûr, bien sûr. Et y a une indifférence en Afrique, en Occident, qui me frappe. Pourquoi on accepte que depuis le 8e siècle, le mot arabe qui signifie esclave est synonyme de noir? Pourquoi on l'accepte? Est-ce que vous ne pouvez pas dire que vous n'acceptez pas ces formes de mépris et qu'il faut changer même le vocabulaire? Je ne vais pas me mêler de la langue des autres. Moi, je parle le français, je parle le malinké, le bambara, mais c'est ma langue, c'est leur langue. Je leur laisse la responsabilité de changer ce qui a lieu de changer. Oui, voilà. mais vous n'acceptez pas. Mais je trouve ça pas bien. Oui. Voilà. La Côte d'Ivoire... explique mon confrère d'Abidjan, Philippe Dinacera, c'est 9% de croissance. Et depuis votre arrivée, c'est 2 millions d'emplois. Comment empêcher que les jeunes partent, qui prennent le risque de mourir à travers les déserts ou de mourir noyés dans la Méditerranée? Oui, mais c'est parce qu'il y a d'abord une attraction. Parce qu'évidemment, nous sommes dans les nouvelles technologies, il y a toute cette image positive que les jeunes voient à la télévision. Ils pensent que tout le monde en Europe est milliardaire, etc. Nous faisons de la sensibilisation et de l'information sur la réalité pour dire qu'il y a des pauvres en Europe, en France, qui dorment dans les rues, qui meurent de froid, etc. Bon, mais donc il y a ce travail à faire. Et puis aussi, il y a l'ignorance. Et également, il y a le désir de l'aventure. Et sur ça, Jean-Pierre, mais la question de l'aventure, de la migration, ce n'est pas seulement les Africains. Les Européens ont fait de la migration. Ils se sont retrouvés en Afrique, ils se sont retrouvés en Europe, je vais dire en Amérique et ainsi de suite. Mais c'était dans d'autres circonstances. Absolument, où on avait besoin d'eux, où ils ont été quelquefois intégrés. Je suis pour la migration régulière. Pas clandestine. Pas clandestine et pas surtout une migration qui conduit à l'esclavage. Et vous pensez qu'en tant que chef d'État, vous avez la responsabilité de dire restez là leur trouver du travail pour qu'ils restent là. C'est ce que nous faisons. Ceux qui reviennent d'abord, nous avons un système biométrique pour bien nous assurer que nous les avons leur empreinte. Qu'est-ce que ces passeurs font? Ils prennent les papiers de ces jeunes gens, ils les déchirent et quand ils viennent, beaucoup d'entre eux d'ailleurs ne sont pas ivoiriens, mais ils partent de Côte d'Ivoire parce que les revenus sont plus élevés. Ils viennent pendant un an, deux ans, ils se font des économies. À partir de là, ils vont au Niger, en Libye et ainsi de suite. Mais nous nous disons maintenant, il faut un système de biométrie qui permet, même quand on les prend sans papier, on connaîtra leur origine. Mmh. Et si c'est des Ivoiriens, nous sommes d'accord pour les recevoir chez nous. Président. Parce que leur place, c'est en Côte d'Ivoire. Et notre responsabilité, c'est de nous occuper de ces jeunes gens. Alassane Ouattara, au Burkina Faso, Emmanuel Macron a déclaré que ne pas parler de démographie aujourd'hui, partout, y compris en Afrique, c'était irresponsable. Et il a regretté les inégalités hommes-femmes et, par exemple, les mariages précoces en Afrique. Est-ce que vous partagez ça? D'abord, je condamne les mariages précoces. Et c'est interdit par la loi en Côte d'Ivoire. Mais je vais plus loin. Je vais plus loin parce que qu'est-ce qui se passe? Pendant 10 ans, de 2000 à 2010, la Côte d'Ivoire a eu un taux de croissance économique d'à peu près de moins de 1%. Mais le taux de croissance la démographique était d'à peu près 3%. Qu'est-ce qui s'est passé? La pauvreté a augmenté. Mais aujourd'hui, nous avons donc un taux de croissance démographique, c'est-à-dire de la population de 2,8%, mais la croissance est de 9%. Donc alors, nous sommes en train de réduire la pauvreté. Conséquence, mais ça scolarisation, prend temps, des, scolarisation jeunes des jeunes filles et pas des mariages précoces. Et nous avons donc en Côte d'Ivoire, peut-être en Afrique. Et en plus de cela, nous construisons des collèges de jeunes filles, des lycées de jeunes filles avec internat. Nous avons installé l'école obligatoire, nous donnons la priorité aux filles quand il s'agit de l'accès à l'université, etc. Il y a toute une série de mesures que nous prenons. Parce que quand on s'occupe des filles et qu'elles deviennent femmes, c'est la stabilité du foyer et par conséquent du pays. Et du continent. Voilà. Le président Macron a répété « je n'ai pas de politique africaine ». Oui. D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vous convient? Mais écoutez, moi, je pense que sa politique est la relation avec chaque pays. C'est sa notion de ce qu'il veut faire en ce qui concerne le rôle du président de la France. Mais ici, vous savez qu'en France, on dit il faut plus de France-Afrique, ça, c'est le passé. Oui, mais mais la Côte d'Ivoire n'a pas ce problème aujourd'hui. Non. Et moi, je peux vous dire que, vous savez, nous sommes un des pays, si vous prenez notre budget, le financement extérieur, y compris les dons de la Banque mondiale,
du Fonds monétaire, de l'Union européenne, l'aide bilatérale, etc., ou le soutien bilatéral, ne représente pas 20% de mon budget. Donc, mais dans les autres pays, dans beaucoup de pays africains, c'est 50%. Non, c'est important de le dire. Donc, moi, la France-Afrique, ce n'est pas mon problème. Quand nous avons des problèmes, nous, de financement, nous allons sur les marchés internationaux. Mais vous dites, nous empruntons des euros. Très bien, mais vous dites, bandes, oui, quand même, et, voilà, et d'une manière presque privilégiée, oui, aux start-up de... Bien sûr, aux entrepreneurs tout français. Tout ce qui est positif, je suis d'accord. Oui, aux artistes, et la culture, Il a de très bonnes idées par rapport à ce qu'il souhaite faire dans ses relations avec certains pays. Il l'a démontré en Côte d'Ivoire. Nous venons d'inaugurer le lancement du métro d'Abidjan, quand même, qui va faire déplacer 500 000 personnes par jour, 180 millions par an de personnes à déplacer. Et c'est un investissement d'1,4 milliard d'euros. Oui, la Côte d'Ivoire y contribue, la France y contribue, le gouvernement français, comme les entreprises françaises. Donc il y aura un métro qui sera franco-ivoirien. Exactement. Pour les Ivoiriens. Pour les Ivoiriens. Vous avez connu différents présidents de la République française. Oui. Qu'est-ce que vous trouvez de différent ou de singulier à Emmanuel Macron, si c'est le cas? Mais vous serez surpris. Nicolas Sarkozy est mon ami. François Hollande est mon ami. Et Emmanuel Macron et moi, nous venons de nouer amitié. Je l'ai découvert et je trouve que c'est quelqu'un de très bien. C'est une bonne chose pour la France. C'est une chance pour la France et je l'encourage à continuer dans les réformes qu'il est en train d'entreprendre. Et ça, vous dites ça? Vous dites, non, ce je sont le tous dis pas mes comme amis, ça. Mais c'est pas de la prudence. Non, mais vous-même, vous le savez que Nicolas Sarkozy est mon ami. Oui. Mais vous savez que François Hollande est mon ami. Oui. Alors pourquoi je devrais le nier? Non, mais je ne vous demande pas de le nier, il y a une continuité. Oui. Mais vous avez trouvé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de singulier chez Emmanuel Macron? Ce serait quand même pas gentil ou pas responsable de ma part de vouloir juger un collègue, un homologue. Non, moi, chacun fait son boulot pour son pays. Est-ce que... Je fais mon boulot pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez confiance dans les promesses qui sont faites par Paris, désormais, plus de néocolonialisme, plus de paternalisme à l'égard de certains pays? Mais nous ne vivons pas ça en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas ce problème. Mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire en Afrique. Mais écoutez, moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Je suis le président de la République de Côte d'Ivoire, je ne suis pas le président de l'Afrique. Ouais. Tout se passe bien entre la Côte d'Ivoire et la France. Nous n'avons pas de néocolonialisme. J'ai indiqué à Nicolas Sarkozy, à François Hollande, et comme à Emmanuel Macron, la seule chose que je demande, c'est que les entreprises françaises s'insèrent beaucoup plus dans la compétition mondialisation. Il y en a beaucoup qui le font. Ça a bien commencé, mais il faut que ça se renforce. Je vais parler d'un sujet qui est passionnant pour tous dans le monde et en France. Il y a de plus en plus de consommateurs de chocolat. Je suis sérieux. Ça, je suis content de l'apprendre. Mais comment expliquer la chute? Je prends un chocolat tous les matins par devoir national. Ah oui. Et moi, aussi. C'est le soir. Comment expliquer la chute des cours de cacao? Oui, mais plus alors que c'est la première source pour les agriculteurs et en même temps la première source de devises. Vous savez, c'est de la spéculation. Comme toutes les matières premières baissaient, le cacao continuait d'augmenter, les fonds spéculatifs se sont rués sur le cacao et les prix ont continué d'augmenter. Et à un moment donné, quand il y a eu retournement de tendance, les fonds spéculatifs ont basculé. Alors, mais en plus de ça, la production a augmenté en Côte d'Ivoire, au Ghana. Et ces deux pays produisent 60% de la production mondiale. La Côte d'Ivoire, elle seule, produit 2 millions de tonnes de cacao, c'est-à-dire 40% de la production mondiale. – Vous exportez du cacao brut, est-ce que vous n'allez pas le transformer et faire du chocolat ivoirien avec des entreprises françaises, des spécialistes ?– Nous le faisons déjà avec le groupe C'est Moi, et ça se passe très bien, mais les quantités sont très faibles. Ce que nous devons faire maintenant, c'est continuer d'augmenter donc, la transformation, ne serait-ce qu'en pâté en beurre de cacao, et ensuite faire du chocolat pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique de l'Ouest, Et ainsi de suite. Ben, je comprends que peut-être les pays européens ou les Américains disent, mais nous préférons le chocolat fabriqué chez nous. Il y a des questions de goût, il y a des gens qui mettent tel produit là-dedans, un peu plus de lait, etc. Donc ce que nous voulons, c'est transformer le cacao en pâte, en beurre. Et d'abord, ceci va permettre de contenir et de réguler l'offre mondiale pour que le prix soit à peu près stable. À la Saint-Ouada, je ne veux pas vous flatter, mais la Côte d'Ivoire
vous doit sa résurrection ou sa renaissance d'une certaine façon. Non, mais c'est vrai. Les Ivoiriens qui sont soucieux de l'avenir se demandent si vous voulez continuer. Mais vous savez, j'ai 3 ans devant moi. C'est les 3/4 d'un mandat d'un président américain. Donc je n'ai pas de souci à faire. Non, mais ça veut dire que vous irez jusqu'au bout du deuxième mandat. Vous n'arrêtez pas en route parce qu'on avait entendu la rumeur. Il n'y a pas d'autre. Non, il n'y a pas d'autre. Je suis un homme de devoir. J'ai été élu donc pour un deuxième mandat qui va jusqu'en décembre 2020 et je serai à la tâche au quotidien jusqu'en 2020. Vous voulez dire que le pouvoir ne s'use pas quand on s'en sert. Mais surtout, je pense que c'est plus une charge d'être président de son pays et surtout d'un pays qui a eu une crise terrible, un pays qui a connu l'augmentation de la pauvreté pendant 10 ans. Où tout avait été détruit. Oui, mais après, après 2020, qu'est-ce que vous dites? Je prendrai ma décision en 2020, je l'ai déjà dit. C'est-à-dire, vous pourriez continuer? Je prendrai ma décision en 2020. C'est-à-dire, vous pourriez continuer ou ne pas continuer? Je prendrai ma décision en 2020. Oui. Voilà. Et si vous arrêtez, il y a des Ivoiriens qui craignent le retour des violences qu'on a connues et qui ont été fâcheuses pour votre pays. Nous travaillons à 2 choses actuellement. C'est d'abord la sécurisation du pays. Et je crois que c'est en bonne voie. Hmm. Et deuxièmement, la stabilité. La nouvelle constitution est faite en sorte que nous aurons un pays stable. Ouais. Parce que nous voulons intégrer les populations. Donc, vous avez joué l'avenir ici. Appartient aux jeunes et je suis sûr que nous aurons avec le temps des jeunes bien formés qui prendront le relais. Donc le vous vous en occupez stable. De ça. Vous occupez la succession. C'est vraiment la chose la plus importante pour moi, c'est de m'assurer de la sécurité et de la stabilité de mon pays. Et tous les sacrifices sont nécessaires pour arriver à cet objectif. Y compris la réconciliation nationale. Mais la réconciliation est en cours, elle se fait bien. Si ceux qui ne veulent pas rentrer dans le processus, ben je ne peux pas les obliger. Pour se réconcilier, il faut le vouloir. Ouais, nous avons pris toute une série d'actions, je ne vais pas continuer à commencer. Non, mais par exemple, voilà. Vous dites qu'il faut le pouvoir aux jeunes. Oui. Le voyage, et c'est ma dernière remarque, le voyage de... Emmanuel Macron en Afrique, est-ce qu'il peut avoir un retentissement chez les jeunes et chez les dirigeants? Ah oui, moi je crois que c'est un message important. Il est jeune et ça donne quand même un modèle que les jeunes... Vous savez, dans beaucoup de constitutions africaines, on ne pouvait pas être candidat à la présidence de la République avant l'âge de 40 ans. Alors, donc, dans beaucoup de pays, le président Macron... Donc, ça fait un choc. Il n'aurait pas pu être président. Alors, de la Côte d'Ivoire, heureusement, maintenant, nous avons abaissé l'âge à 35 ans. Bon, donc, voilà, nous anticipons, vous voyez, nous tenons compte de tout ça. Nous voulons prendre notre part de responsabilité, mais il nous faut les financements. Nous en dégageons nous-mêmes, mais les engagements pris par les autres doivent être respectés. Merci de cet entretien pour CNews. Est-ce que je vous serre la main? Mais je suis très, très heureux. Merci beaucoup. Merci, Jean-Pierre. À bientôt. Merci encore. À bientôt.